C'est devant le mémorial d'Edmond Albius au Bocage, à Sainte-Suzanne, qu'a été commémorée ce mardi 10 mai la Journée nationale des mémoires de l'esclavage. L'occasion pour le département et les acteurs publics et associatifs de rendre hommage à cet esclave réunionnais, et ce à travers une nouvelle exposition permanente près du Jardin du patrimoine et de la mémoire. Aujourd'hui, c'est la commémoration du 10 mai, c'est la commémoration de la loi dite Taubira, en fait, qui considère l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais ce qu'il faut retenir aussi aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cette loi, c'est un moment pour nous réunionnais de rendre hommage à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui ont été réduits au stade d'esclaves. Et nous avons un esclave brillant ici, à Sainte-Suzanne, Edmond Albius, qui, de par ses facultés, ce qu'il a fait, à savoir la fécondation de la famille, ben, il est rendu célèbre dans le monde entier. Et c'est à nous aujourd'hui de ne pas oublier toutes ces personnes, parce qu'on les retrouve aussi à travers l'économie, à travers nos quotidiens. Un rendez-vous avec l'histoire de la Réunion célébrée en musique et en présence des enfants de l'école José Barreau de Sainte-Suzanne. Atelier ludique, coloriage, documentation, le but, enseigner l'héritage culturel de l'île aux jeunes générations. Nous à La Réunion, on avait l'habitude de fêter et on fête toujours le 20 décembre. Mais aujourd'hui, il faut pas oublier le 10 mai parce que c'est important. Enfin, l'esclavage est reconnu crime contre l'humanité et c'est l'occasion à jamais eh bien, de s'approprier cette page de notre histoire, de parler de l'esclavage, de ne pas avoir honte de parler de l'esclavage et surtout de tenir un discours en faveur de la jeunesse au niveau de la génération future. On ne peut pas parler d'histoire si on n'associe pas la jeunesse, si on n'associe pas la nouvelle génération. Donc il y a des écoles de Sainte-Suzanne qui sont venues aujourd'hui participer à des ateliers pédagogiques. Il y a un jeu qui a été réalisé sur le patrimoine de Sainte-Suzanne. Il y a des ateliers pédagogiques sur l'esclavage, sur la traite négrière. Les enfants découvrent de façon ludique ce qu'est l'esclavage et l'engagisme. Donc c'est vraiment un grand moment d'échange, de partage et bien sûr de fraternité. Des ateliers qui ont permis aux Marmailles d'en apprendre un peu plus sur le patrimoine historique de la Réunion et l'esclavage, tout en posant les bases de leur future citoyenneté. Peut-être des règles, enfin on voit pas trop les règles, code de la route, des trucs comme ça, parce que on fait un peu n'importe comment. On a fait un premier déjeuner à Katmandou et je trouve que ça ressemble un peu à la cuisine que je mange à la maison. C'est bien épicé et c'est fort surtout. À la fois extraordinaire et à la fois très bouleversante parce que on a un côté très pauvre, on va dire, mais c'est très beau, c'est vraiment magnifique. Et les petits drapeaux, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais les petits drapeaux et puis les gens en général sont ils sont très gentils et c'est incroyable. Ça rend la ville magnifique même si elle n'a pas forcément les moyens de l'être selon les critères de maintenant. Nous sommes dans un temple sacré, et autour de moi il y a des singes, des petits singes. Les gens viennent ici pour demander des grâces, pour prier pour leur famille. Et là, comme en ce moment on est en plein Covid, que tout ça s'arrête, qu'il y a la guerre, que tout s'arrête, et voilà, pour la prospérité et tout. Totalement différent de la Réunion ou bien quand on va en Europe ou bien c'est une autre culture, une autre manière de vivre, genre moi je trouve ça trop bien en fait, ça permet de découvrir de nouvelles choses et tout, et voilà, c'est que du plus.
Salut Maroni. Bonjour Alexandre. Alors, où sont ça va aujourd'hui? Ah là, je vais à la rencontre d'un agriculteur qui a bénéficié de l'aide du département pour améliorer sa production. Ah bon? Et quelle plantation? Désolé, je peux pas t'en dire plus, je dois y aller, je suis en retard. Allez, à plus tard, je te rappelle tout à l'heure, désolé. Vous aussi, vous voulez savoir de quelle plantation il s'agit, alors restez avec moi. Nous sommes à Piton-Saint-Leu sur le domaine de Frédéric. Frédéric, il y a un an, a décidé d'augmenter sa production pour y faire pousser de bons petits fruits pays. Un projet qu'il a pu mettre en place avec l'aide du département. Suivez-moi, c'est par là. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites pousser ici? Je fais pousser principalement des agrumes, citrons, combava. Il y a un peu de arbres fruitiers aussi, comme la mangue. Papaye. Là, on essaye d'aller dans des techniques de culture agroécologique, parce que je veux aller dans le bio aussi, produire des bons fruits, essayer de faire des désherbages manuels. On se rend compte que c'est très pénible et dur. Grâce au département, il nous donne un soutien financier et aussi administratif. J'ai bénéficié de 3000 euros pour la plantation. Et le dossier, c'est toi personnellement qui l'as rempli? C'est assez compliqué pour nous, agriculteurs. Il y a la cellule qui est en place, mais nous aide pour le montage du dossier, quel papier il faut, tout ça. C'est vraiment un grand soutien de leur part, quoi. Pour accompagner les agriculteurs locaux à développer leurs activités, le département propose des aides et déploie une équipe de professionnels partout sur l'île, comme Florence, experte des aides spécifiques agricoles. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre. Alors on était avec Frédéric, mais de quel type d'aide il a pu bénéficier? Alors c'est une aide spécifique aux producteurs indépendants de fruits et légumes. Pourquoi ce dispositif a été mis en place? Donc, en fait, c'est un groupe d'agriculteurs indépendants du Sud qui a interpellé le département pour les aider à maintenir des cultures concurrencées. Et ce dispositif a été mis en place et étendu à tous les agriculteurs qui ont la même difficulté. Donc il y a des cultures concurrencées comme l'ail, l'oignon, la pomme de terre ou la carotte. Mais il y a aussi des cultures identitaires, comme le curcuma, le gingembre, la lentille et notre petit piment pays aussi. Pour revenir à Frédéric, comment vous l'avez accompagné au niveau du département? Écoute, quand le dispositif sort, il est largement diffusé au niveau médiatique, sur le site du département et avec les partenaires, et on envoie aussi des textos. Donc ensuite, il y a une permanence qui se met en place. On les aide à monter le dossier. Mais il faut faire quoi pour avoir accès à ces aides? Il faut être agriculteur à titre principal, indépendant, et il faut aussi cultiver au moins une de ces 12 cultures. Merci Florence. Merci à toi Alexandre. Pendant l'évolution des dossiers, les agents du département s'impliquent, échangent et créent des liens avec les bénéficiaires. Derrière ces dispositifs, ce sont bien des Réunionnais qui soutiennent d'autres Réunionnais. Je connais que l'aide va ressortir cette année, l'aide pour les fruits et légumes. D'accord, hein, pour planter. D'accord. Donc ce sera comme d'habitude, hein, nous envoyer un texto. D'accord. Comme d'habitude, ce sera aussi largement diffusé sur le site du département. Franchement, grâce à cette aide, elle permet à nous d'avancer un petit peu dans notre culture. Merci à vous. Pour retrouver toutes les informations concernant les aides aux producteurs indépendants de fruits et légumes, contactez la cellule accompagnement des agriculteurs du département au numéro vert 0800 000 490 et sur info.agricole@cg974.fr. Voilà, le département des générations, c'est fini et vous pouvez revoir cet épisode et les précédents en replay sur nos sites et réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt! Bonjour mon cave. Aujourd'hui, Messava rencontre une accueillante familiale à Sainte-Suzanne. Elle accompagne chez elle des personnes en situation de handicap. C'est une belle mission pour les sortir de l'isolement. J'ai hâte d'en savoir plus. D'ailleurs, j'y vais Alexandre. On se tient au courant. Ok, à très vite. Les acteurs du sport se sont réunis ce vendredi 29 avril dans l'hémicycle du conseil départemental pour une présentation du plan 5000 licences. Le département alloue un budget de 500 000 euros pour le financement de licences de loisirs et de compétitions. Alors, le plan il s'inscrit dans le cadre de la stratégie pauvreté, qui est un dispositif qui a été lancé par l'État depuis 2019 et qui vise à lutter contre la pauvreté sur les territoires. Et donc dans ce cadre-là, depuis plusieurs mois, on travaille avec le département pour mettre en œuvre des actions diverses, dont le plan 5000 licences,
s'inscrit dans la volonté de faciliter l'accès de toutes les familles aux disciplines sportives et physiques. Le plan 5000 licences, comme le passeport d'ailleurs, il vise plusieurs objectifs, notamment améliorer le bien-être et la santé des jeunes, également aider les familles, notamment celles qui ont plusieurs enfants, à pouvoir adhérer à des clubs et pratiquer l'activité sportive, et enfin soutenir la relance du mouvement sportif qui a été durement frappé par la crise. Une aide exceptionnelle accordée aux foyers les plus modestes visant à garantir l'accès de tous à la pratique du sport. Dans le cadre du plan pauvreté, nous avons réservé une somme d'un demi-million d'euros pour financer les licences pour les personnes, les jeunes de moins de 21 ans qui sont en situation de pauvreté, dont les familles sont en situation de pauvreté et qui sont bénéficiaires du RSA. Donc l'objectif, c'est faire en sorte de l'accès au sport pour tous les publics et en particulier les publics qui sont en situation de précarité. 5000 licences, 100 euros donc prise en charge par le département dans le cadre du plan pauvreté pour ces publics en grande difficulté. Faire en sorte de rendre accessible le sport, de promouvoir l'égalité des chances dans le cadre de cette action en partenariat avec l'État. L'urgence de mettre en acte ce soutien au sport de masse a été renforcée par la crise sanitaire. En 2020, le nombre de licenciés a chuté de 70% chez les plus jeunes. Ah, toutes les ligues, bien sûr, sont partie prenante, puisque c'est un bol d'air, un bol d'oxygène pour l'ensemble de nos clubs. Vous savez, c'est 500 000 euros, c'est un demi-million qu'on réinjecte dans l'économie locale et qui vont transiter par nos clubs et associations. Et c'est un soulagement, bien sûr, pour les familles en définitive. Mais c'est aussi derrière de gros enjeux, au-delà de la pauvreté, d'économie, de relance, et ce que je disais, de plaisir, de bien-être, de santé, puisqu'on vient faire du sport aussi pour ça. L'aide du plan 5000 licences correspond à un montant maximum de 100 euros par jeune. L'aide est versée directement au club, elle n'est mobilisable qu'une seule fois par saison sportive et par bénéficiaire dans une seule discipline. Ce que j'attends de ce voyage, c'est surtout un moment inoubliable entre camarades et professeurs. Aussi apprendre un peu de leur culture, pouvoir visiter un peu le monde, un peu plus que je suis déjà là. Et j'aimerais aussi découvrir la végétation, leur façon de vivre, leur nourriture et tout ce qui va avec. Que les mûrir un peu plus, que les responsabiliser à vie, et que les voir autre chose. Hein. Voilà, et oublier un peu les parents, aller, se bader un peu, et voilà. Je suis content déjà pour le voyage, donc il va découvrir autre chose. Bon, bien qu'il n'y ait pas poli, hein, ça va mal lieu des brouillards, il est. Ça n'a pas de mots quoi. Donc, moi j'ai l'impression de qu'il retourne quoi. Donc, il est encore là, mais il manque à moi déjà. Donc. Je pensais que j'allais être fatiguée parce que j'ai pas trop dormi dans l'avion, mais finalement hyper contente d'être arrivée à Paris et hâte de prendre les deux prochains vols pour enfin arriver à Katmandou. J'ai pas vraiment beaucoup dormi dans l'avion, mais je suis vraiment hyper contente d'avoir fait cette étape parce que ça nous rapproche encore plus du projet. Le projet est enfin en marche, ça fait bizarre, ça faisait très longtemps qu'on attendait ça, mais... Ça va, ça met la forme. Je suis assez content, en plus c'est la première fois que je suis à Paris. Du coup c'est le premier grand vol que j'ai fait. À chaque fois quand je prends l'avion, c'est juste pour aller à Maurice. Du coup là c'est un grand voyage pour moi. C'est un pays qu'on ne pourra pas y aller tous les jours. C'est comment ça va permettre d'aider des gens. Du coup c'est vraiment un truc humanitaire qui va nous changer, qui va nous transformer et qui va nous apprendre à être meilleurs. C'est une montagne, il faut grimper tout là-haut, on respire bien. Ça ne te fait pas peur physiquement ? Non. On va faire de la marche, on va faire un trek et on va distribuer des sacs aux enfants là-bas et montrer un peu nos traditions d'ici. Je suis assez détendue.
Je suis pas trop, stressée, mais après, je suis un peu excitée aussi, un petit peu. Mais après, je trouve que le froid, c'est très agréable. Ça représente pour toi ce voyage ? Ben, c'est une expérience c'est une très bonne expérience en fait. Ça va nous apporter plein de connaissances. Et puis, on va apporter aussi des choses au Népal. Donc, c'est très important aussi. Yeah,